Faites-moi signe, vous faites qu'un télé, il y a dégueu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hello guys. Hello, hello, hello. Doukoulen, partagez-le s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, guys. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. On est en direct de Montréal. Je vais essayer de prendre la foule autant que je peux. Partagez le live. Partagez le live. Nous on a dit la mort. Nous on a dit la nique sénégalais. Ce que nous maintenons, nous avons fait une participation. Nous avons une position. Nous avons un désaccord par rapport à ce que nous avons Sénégal. Li nga xamné mom la Macky Sall nek di def ci réew mi, li nga xamné moy violation des droits des citoyens, moy emprisonnement arbitraire. Partagez le live, bi guys, gars yi ñëw. On est à Montréal au Canada. Vous entendez les manifestants qui disent Macky Sall démissionne. Le peuple demande la démission de Macky Sall. Partagez le live, guys. Partagez le live. Il y a plus qu'un au Sénégal. Vous savez ce que c'est. Macky Sall, son gouvernement, ses représentants, maintenant venu dans le Sénégal, des nervis qui sont engagés, qui sont armés pour tirer sur le peuple. Imaginez donc sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que c'est la censure de la presse, l'attaque de la presse partout dans le monde. Nous savons que la presse, moi, vous savez, même dans des zones de guerre profondes, la presse est libre pour reporter l'information parce que les citoyens ont le droit à l'information. Sénégal, nous tous le savons, la presse est censurée. Ça me gagne. Partagez le live. Vous voyez, nous sommes au Canada. Si nous sommes, le coronavirus est aussi une maladie qui touche ce pays. Dans un pays très sérieux, le gouvernement a mis en place pour protéger les citoyens. Cependant, on a le droit de manifester. Nous manifestons, nous au Canada, mais on nous permet quand même de le faire. Au Canada, on nous permet de manifester pour une cause qui concerne le Sénégal. Et au Sénégal, on empêche les personnes de manifester. On empêche les citoyens de manifester leur mécontentement, d'exprimer leur volonté. On empêche au peuple d'exprimer leur volonté. On les traite de terroristes parce qu'ils ont manifesté leur volonté. Magnifique, nous n'avons pas de respiration. Je suis en train de marcher à l'envers avec le masque pour prendre les manifestants. Aïe, t'es gai, partagez le live. Nous partageons l'image avec le monde. Nous sommes dans un contexte où nous savons que nous pouvons faire absolument tout le monde. C'est-à-dire que la neutralité n'a pas de place. La neutralité n'a pas de place. Tout le monde n'a pas de place.
silence warul meuna am. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'époque, ce n'est pas la cause qu'il faut ignorer. Macky Sall, dégage, ça suffit. On est sur les pancartes. Macky Sall, dégage, ça suffit. On lit sur les pancartes. On a une pancarte de l'autre côté où on peut lire nos martyrs, les personnes qui sont tombées lors de ces manifestations. On rappelle qu'ils ont été tués par des forces de l'ordre, tirés dessus par des forces de l'ordre, pendant qu'ils sont en train de manifester un droit citoyen, un droit constitutionnel. On entend libérer son corps. Vous ne m'entendez pas bien? On me dit vérifier la qualité du son. Faites-moi signe, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, guys, je vais aller essayer de me mêler un peu à la foule pour vous montrer de plus près. Macky Sall, terroriste, on entend. Samba Tilera, la marche est à Montréal. Résolution, restons debout. Est-ce que libérer son corps. Le combat contre la dictature, on lit sur les pancartes. Libérer son corps. Macky Sall démission. Libérer son corps. Macky Sall démissionne. On entend, entre autres, dire par la foule. Gaëlle, ici, je vais essayer de rejoindre le devant de la marche. Vous voyez la foule de personnes qu'il y a jusqu'à l'arrière. Vous voyez la pancarte. Plus de 157 prisonniers politiques. Je vais essayer de rejoindre le devant. Il y a des grincements sonores. C'est peut-être mes écouteurs alors. On est là, même avec les enfants, on est là. Même les enfants qui, Macky Sall démissionne. Gaï, on a la foule jusqu'à derrière. Vous voyez, on est présentement accompagné par la police. Donc, comme je vous l'ai dit, on est dans un pays étranger, mais on a quand même le droit de manifester pour quelque chose qui se passe au Sénégal. Alors qu'au Sénégal, notre propre pays, nous n'avons pas le droit de manifester. On appelle les manifestants des terroristes. C'est-à-dire qu'instant bini, toutes les personnes qui nous ramènent, ils ne trouvent pas de problème. Tout les ramènent, même le gouvernement bini qui dit d'être, les acharnés qui nous ramènent, ils sont les manifestants. Les acharnés qui nous ramènent, ils sont les manifestants, c'est un mécontentement après tellement de frustration. Tellement de frustration, c'est complètement fou et inconcevable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nous fassions les partis pris, il faut qu'on oublie les appartenances politiques et qu'on se penche sur la question du développement de la construction d'un pays. C'est pour nous, c'est pour l'avenir, c'est pour nous. Donc, nous qui savons que nous sommes jeunes au Sénégal, nous qui savons que notre avenir est en jeu, nous qui savons que nous sommes aujourd'hui, nous qui savons que nous sommes notre peuple, nous qui savons que nous sommes aujourd'hui. Donc, ne soyez pas surpris de voir une très, très, très grande participation de la jeunesse dans le combat au Sénégal. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'ils ont compris les enjeux. Ils ont compris que c'est leur avenir qui est hypothéqué en ce moment par un régime autoritaire, répressif. Ay dirigeants yo xamné instant bi ma tay lañuy doxalé waaw parce que ma tay la ko deglu le discours du ministre de l'intérieur Demba, tu vois clairement que ma tay lay doxalé. Il reste campé sur leur position. Gaay wax bi merci na de ak dox bi ak sa bay bi ay ta partager le live bi. Je vous remontre ay ta ñu société yo ngotuna dañu am say do dañu am say do ñu Sénégal. Aïcha, c'est au New Sénégal. Aïcha, pendant que je respire un peu, je vais essayer de parler à quelques personnes. Là, je vais vous donner mon avis sur le Sénégal. Voilà, les économistes en souffrent. Voilà, de Youssoufa. Voilà, de Gharalman. Ma outil quelques personnes, hein, ñu wax ci situation bi, ñu wax ci li ñu xalaat. Kubax no def ma duggal la ci l'âge bi, hein. Ayta waaw, Ayta nonu la. Yow nak lo xalaat, dama tax tay nga ñew ci manifestation bi? Waaw, manifestation bi man dama koy rappelu parce que man Sénégal la nek. Macha Allah, je dois rentrer mes crédits. Macha Allah, je suis un membre du copil de Pasteur. Waouh, machallah. Donc, demain, je suis venu pour participer à la manifestation parce que je me disais que la diaspora, parce que le fait que tu marches, tu consulat, tu représentation diplomatique, tu organismes des systèmes des Nations Unies, de sensibiliser la communauté internationale sur les questions de leur ramener ni mon nasakal Sénégal. Macky Sall c'est un dictateur. Bougnou veut que imposer monarchie au Sénégal. De l'eau du monde. Sénégal doute que vous ramenez des gens. Imposer votre dictature. Dites vous la nerf. Dites vous la nerf. Dites vous la nerf. Sachez à la lourdeur. Pas toi à la lourdeur mais à Imbokam. À sa famille. À son clan. Deug la lolou sénégalais duñ ko massanangu. Deug la dama né dinañ ko xex bu jaré suñu bokkan dess dina ci dess. Machallah, je vous vois. Que le combat continue. Le combat continue. Et encourager toute la diaspora sénégalaise. Deug la tok ñu mëna nek. Jërëjëf. Merci Koubax. Koubax deug ngeen ko Sénégal mu doon dëkk bo xamné nim ko waxé duñ fa nangu nit ñew rek daf ko momelu bopam, hein. Sénégal ñu ñëpp ko bokk ci la dang ci amu wall kon inshallah duñ fa bay kenn mu ñëw jël ko def ko yëfu bopam yëfu mbokami ñun ñi tok diko sétane melni ñun dañ fa amul wall wala dañ fa jarul dara gaay xaar ma jëlaat keneen le temps que may reprendre sama souffle ni ngeen ko waxe ma xawon noppale ko tuti ha ma sha Allah. Aïcha, nous parlons de Kenel. Je vais aller chercher un porteur de pancarte. Aïcha, je suis là, Fidane. Comment? Aïcha, Machallah. Je suis là, Madame. Aïcha, Machallah. Maintenant, je vais comprendre. Je suis là, Danou. Je vais comprendre. Aïcha, on va aller chercher du côté de nos braves femmes. Aïcha, du coup tu l'as vu, hein? Aïcha, l'homme m'a fait une détail. Machallah. Alors Nadem, n'ayant que de guerre, ce n'est plus seulement une question de libération de Ousmane Sonko. C'est un peuple qui aujourd'hui demande la démission du président.
une demande qui ne tombe pas du néant, une demande qui ne tombe pas du ciel. Je crois qu'elle résulte principalement d'énormément de frustration et surtout d'une constatation qu'on a un président qui n'est pas là pour servir son peuple, qui n'est pas là pour construire que tellement de monde attendait. L'Itargaï Falco en 2019. Amiaka Tchoumoum, après tout ce qui s'est passé en 2019, il y a un changement du Sénégal. Amoul. Hein? Et on se retrouve à encore faire la même chose, à devoir créer un soulèvement populaire. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas se faire entendre autrement. Et ça, déjà, c'est un problème. On va prendre quelqu'un d'autre. Pour que nous voir qui est l'élève qui paye. On va aller chercher quelqu'un d'autre. Nous voir que je vous montre là où on se retrouve un peu dans la foule. Nous exigeons la démission de Macky, le dictateur. Libérer tous les détenus politiques au Sénégal. Nous descendons ici. Nous devons aller à la vie. Nous devons aller à la vie. Deug la. Mu donne lo xamne moy demande du peuple bi pour que Macky Sall démissionne. Yaakaar nga ni fu mu toll ni Macky Sall dina deuglu wa rew mi. Amna pas le choix. Dinañu deuglu wala ñu gëna continuer parce que bo rekiné rek day recommencer à zéro. Exactement. Machallah, jërëjëf soxna ci contane nañ torop. Ay ta gaay dañ ñen lolu. Message bi que fi jamono bi toll ni bu ñuy reculer rek di permettre nga xamne moy Macky Sall mu gëna am fit ci li nga xamne mom moy gestion réew mu muy def ni c'est quoi tout permis hein muy li nga xamne mënu ñu ko bay mu jall on va se dire la vérité réew mi suñu réew la du réew Macky Sall la souveraineté appartient au peuple bi moko ko abal moko jox prérogative pour mu jël décision yi nga xamne c'est pour le bien de la population. Comme vous demeurez, ben les gens population bobo non, nous n'en devons mépris. Nous n'en devons les gens ne moi que parler au malin. Le manière là il est. D'après notre chiffre là il est beaucoup mieux que d'aller nous réunir. Non le mot de ça va, non le mot ça va comme ça le ni Macky Sall, ni comme Macky Sall d'aller nous réunir. Donc non le mot les gens ne moi le peuple du bug. Moi les gens ne ni manifeste si tay moi le bug. Ni les gens ne nak. Ñongi sonal sen bop ci wax ni que c'est un come up yo sama téléphone bi nak mi ngi daan ñi nga xamni nak il se fatigue di wax ni que les gens se sortent dans les rues manifestent pour en fait je ne vois plus les commentaires. OK ñi nga xamni nak ils disent que non. Madame, homme politique, moi, oui, accident, c'est-à-dire que c'est une incompréhension du message que porte en ce moment la population. Un message qui n'a rien à voir avec un homme politique en spécifique, dans le sens où les gens ne laissent pas leurs activités pour aller défendre des intérêts personnels. Les gens sont en train de défendre un intérêt public. Si les gens ne sont pas capables de décrypter, c'est-à-dire la rage de la population, la rage des citoyens, et voir en cela un ras-le-bol total. C'est-à-dire que les gens qui découvrent injustice, ça se passe tous les jours. Problème, c'est que vivent les Sénégalais tous les jours. Bala nga koy xam mu dal le deugantam. Ñi nga xamné ñoo ngi fokkati sen alal, sen loxo. Ñi nga xamné tay dañu am problème ak nit mu doon disons, la loi du plus influent. L'olive monnaie qui dort au Sénégal. Pauvreté binette du Sénégal. Chômage binette du Sénégal. Et pourtant, on entend des scandales à coups de milliards. C'est-à-dire que y a un petit peu
tu te demandes, ton xaalis bi yeb mingi ci réew mi et ça tombe entre les mains de quelques personnes. Voilà di bay babun bi dundé lolu mo xew Sénégal té defena day de bok ci foule bu fekkentene heure bi les gens prennent le temps mais vraiment et la considération de combattre ce système là. C'est-à-dire qu'on choisit soit de nous choisir continuer à bu fekkentene nit ñi dañoo continuer bëgg dëkk ci nakar bi ni nañ dëpp mais bu ñu plaindre-ti, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête les plaintes dans les salons, les plaintes voilà dans des contextes où ni rek waaw Sénégal doxul, Sénégal li, Sénégal lé, c'est-à-dire que il faut à un moment donné traduire les choses par des actions. C'est là que j'ai un instant de l'action. J'ai quelques demandes de rejoindre. Si ça va marcher. En tout cas, nous sommes dans le chat de bien. Nous sommes dans le chat de bien. Nous sommes souvent nous reprochés à la diaspora de vouloir incendier le pays alors qu'ils sont à des kilomètres. Sachez que diaspora bi gënon leen ko bëgg Sénégal ëppol nañ ñu ko wall tay Sénégal képp nekk ci diaspora bi am nga fa li nga xamné moy papa yaay wala frère wala sœur wala farit wala ay bien on est venu de quelque part, on n'est pas tombé du ciel, té fini jëgé à la couleur dañ fay dénn kon ñun amuñu ben intérêt di tal réew mi, amuñu ben intérêt di tal réew mi. Li ñu bëgg moy juste ni nga xamné ñun mom lañu dëkké ci nga nekk dans un pays organisé, un pays bo xamné sen dirigeants ils n'osent pas faire certaines choses parce que le peuple veille, ils ont des institutions fortes. Tay amna lo xamné premier ministre Canada bi ñu nekk ni bu ko bëggon def sañu ko, ils n'osent pas parce que les pouvoirs sont divisés comme il faut. Le peuple est actif dans sa surveillance et il ne se laisse pas faire. Ñun dëkk ci seen dëkk suñu sañoon loolu mooy nekk Sénégal ba nga xam ne ñun ñi suñu bopp dinañ bëgg ñibbi. Y a plein de gens ici qui aimeraient rentrer au Sénégal. Dara dakkul nekk sa dëkk boo gëstoo gis say mbokk, n' est ce pas? Donc ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag bañ a dellu seen dëkk wala ragal a dellu seen dëkk, la faute à qui? Je vous demande, la faute à qui? La faute à qui? Man la clima diafal, moi je ne vois plus vos commentaires en fait. Oh man, vous m'entendez ou pas, mais en tout cas. Donc, je vais mettre des mangues entraînement, je vais essayer d'aller au devant de la manif. Comme ça, je vous donnerai un plan d'ensemble. Pas le mieux. Regardez comment ce pays est organisé. Regardez. Libérer sans délai, sans condition, le président Sonko. Wow. Fofu nga taw deug na lolou nga gis ha ah lo xalat nak ci Macky Sall mad mérité ko ha mo deug la deug la mo discours ministre de l'intérieur nak deug lo ci xalat bu baax bi la parler pour ne rien dire mo sa machallah ah ta dictature ne passera pas au Sénégal Macky, machallah ay jott ni dem ci kanam.
Quelle organisation bien, hein? Dans le respect des choses. Dans le respect des choses. Machallah. Non, si tu avais un seul message à dire à Machital, qu'est-ce que ce serait? Tu n'as qu'à écouter de son peuple. Au-delà de son peuple, au-delà de ce qui se passe, tu n'as qu'à écouter son peuple. D'accord. Machallah. Machallah. Alors, Machital, ton peuple demande de l'écouter. ça traduit déjà un très, très gros problème. Lorsque le peuple dit que le président n'a qu'à l'écouter, c'est donc dans le constat que le président n'écoute pas. Un président qui n'écoute pas son peuple est-il même digne de garder son titre de président? Point d'interrogation, on se demande. Donc, on se rassemble un peu dans un lieu fixe. Alger, on traverse. Comme vous voyez, on est encadré par la police qui est là et qui nous suit. Je rappelle que le Canada est un pays touché par la COVID-19. Quand bien même cela se passe, les manifestations sont possibles. Donc, pourquoi au Sénégal, ce n'est pas le cas? Pourquoi au Sénégal, on est à un stade où on engage une énergie pour attaquer la population? Pourquoi au Sénégal, on est à ce stade où la population n'a plus le droit de manifester sa volonté? C'est un degré de fou, c'est incroyable. Je vais vous montrer un peu où nous en sommes. Macky Sall, dégage! 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 Vous entendez les manifestants? Macky Sall, dégage! Macky Sall, le criminel! Macky Sall, le criminel! Macky Sall, le criminel! Macky Sall, le criminel! Macky Sall, le dictateur! Macky
La foule arrive derrière. Allez, comme dans ma gâte là, du petit big big guy. Gâte pas rouge. On se rassemble en un point. Macky Sall, président Assassa. Voyons, il amène des enfants à la manif. Hein? On amène même les enfants. Macky Sall, criminel. Macky Sall, criminel. Arrêtez, Macky Sall. Arrêtez, Macky Sall. Macky Sall. Arrêtez, Macky Sall. Grand Babacar, yo la dogo. Encha, yo la dogo. Yo lo 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 la indifi tay. Mais dama ñeu pour manifester pour woné sama nakar. Ah, ñu la Sénégal actuellement. Ñu la nakar yi exactement. Pakistan li dawanti di mom le Sénégal défar Sénégal bu am démocratie. Ñu jël ko tek ko ci loxo. Yakar né day gëna soppali démocratie bo. Pakistan bu nga ñeu retourner ci monocratie ko ngi xamul lu mu doon waam di jalof ma sha Allah ma sha Allah bo amone ben message bokoy wax rek lu muy doon ben message bu koy wax moy d'abord ni jëmal libérer détenu politique yi sans exception nak sama son ko ba ci ci gëna fi mu wati nit ñi ñuy wax li leen neex li leen naxal ñu koy wax dekk ba ba paré mu géré dekk bi ba 2024 mu amal ñu parce qu'il n'a plus le droit de se présenter comme c'est tout ce que je lui dis d'accord au troisième mandat non amul troisième mandat il n'a pas le droit na dama dem voilà merci grand merci grand na dama dem là vous voyez les manifestants se rassemblent en un point xam nga na gay dama gatt waaw dama gatt donc ay tay kon mi ngi nonu dapalé nañ la daldi yëkëti caméra bi pour ngeen mëna gis un peu ce qui se passe au milieu comme que dama tchëk je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez entendre ce qui se dit merci ay tchëk excusez-moi c'est pas évident avec la neige pas du tout évident bon. Ay tchëk mon frère là Voilà, c'est bien. Je vais appeler le stand. 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 Je vais appeler le stand
Effectivement, des martyrs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les patriotes. Une nationale. On aime notre pays. On va démarrer dans ce mini-meeting avec l'hymne national du Sénégal. C'est bon? Oui. 1, 2, 3. Laissez tous vos colères frappés à la fond. Les langues rouges à rigide, le donde de la brousse. Le bon s'est déroché, ici par les ténèbres, soleil sur l'antenne. Le discours. En attendant, armée sénégalaise, arrêtez Macky Sall. L'armée sénégalaise, arrêtez Macky Sall. Non, l'armée sénégalaise, arrêtez Macky Sall. Monsieur Ousmane Sonko est actuellement en danger.
Ousmane Sonko s'est classé troisième lors de la dernière élection présidentielle de 2019, avec plus de 15% des suffrages exprimés. La plupart des jeunes, malgré la fraude massive et documentée du système électoral, avec des millions d'électeurs privés de leurs droits de vote, n'ayant pas reçu leur carte électorale ou ayant été déplacés sans notification préalable. Monsieur Ousmane Sonko a également remporté de manière décisive le vote de la diaspora sénégalaise. Aujourd'hui, dans ce registre, Monsieur Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise et député à l'Assemblée nationale, fait l'objet aujourd'hui d'une cabale politico-judiciaire sous la forme d'une affaire de mœurs pernicieusement orchestrée par le pouvoir du président Macky Sall. Les premiers éléments de l'enquête accrédite la thèse d'un complot ourdi par les tenants du pouvoir. En effet, il ressort du procès verbal d'audition qu'un des principaux supports de la plaignante, qui par ailleurs lui a servi de chauffeur la nuit des présumés faits de viol, est un affilié du parti au pouvoir ainsi que son père en un cadre de même parti. Toute porte donc à croire dans cette affaire à l'instrumentalisation d'une jeune masseuse dans le but d'abattre un adversaire politique. Ces procédures scandaleuses sont indignes du Sénégal. Les arrestations de manifestants et d'activistes dans les réseaux sociaux de membres, dans les réseaux sociaux, de membres de la société civile sont désormais légion. La dernière en date est l'arrestation de femmes qui manifestent pacifiquement sur la voie publique. Donc, nous allons résumer, nous savons qu'il fait très froid. Donc, si quelqu'un d'entre vous a besoin de lire cette lettre ou de la voir en voie électronique, vous pouvez écrire à Passif Canada, à commercial@gmail.com. Nous allons vous envoyer cette lettre. Et vous aurez accès à des liens qui vous mèneront à d'autres informations en lien avec l'enquête. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, les patriotes! Les populaires du Sénégal! Ce n'est pas parce que nous le voulions,
si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que il y a des milliers de nos compatriotes au pays, des femmes, des jeunes, des vieux, qui se battent contre la dictature de Macky Sall. Ce n'est pas aujourd'hui, ça a été toujours comme ça. Les Sénégalais se sont toujours battus contre l'injustice, contre la dictature. Mais ce qui se passe ces derniers jours, ce qui s'est passé la semaine dernière est indescriptible. Il s'agit uniquement de liquider un adversaire politique. Et nous le savons, nous en sommes conscients. Et nous demandons à tous les Sénégalais d'être conscients de ce fait. La seule chose que Macky Sall veut aujourd'hui, c'est que de liquider le président Ousmane Sonko. Alors nous disons non. Nous disons non. Non. Nous disons non. Non. Nous disons non. Non. Nous disons non. Non. Nous voulons la liberté au Sénégal. Nous voulons le renforcement de la démocratie. Et ce que nous voulons, ce que nous vivons aujourd'hui, nous dépasse. C'est pourquoi tout Sénégalais est pris de justice. C'est pourquoi tout Sénégalais est pris de liberté. Doit se tenir debout pour dire non à Macky Sall. Merci encore une fois aux patriotes du Canada. Cela, votre mobilisation d'aujourd'hui prouve que vous tenez à la démocratie au Sénégal. Et chaque fois que cela se passe, nous allons compter encore sur vous pour avoir cette forte mobilisation. Merci encore une fois. Merci beaucoup à toutes les femmes présentes aujourd'hui, parce que ce qui se passe, c'est inadmissible. Les Sénégalais ne méritent pas ce qui se passe. Des femmes sont emprisonnées pour la première fois, et cela n'honore pas notre Sénégal. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, merci beaucoup les amis. Je peux vous dire, mon live va se couper dans 5 minutes. Hein. Cette lutte que nous menons aujourd'hui dépasse très largement les frontières de Kassé. C'est tous les Sénégalais et plus de justice qui sont appelés aujourd'hui. Et vous êtes là aujourd'hui pour le témoigner. Aujourd'hui, ce n'est plus le Kassé, ce n'est plus le Kassé, mais c'est le Sénégal en Algérie. Plus de justice. Et aujourd'hui, le Sénégal en Algérie. Le live va s'arrêter dans moins de 5 minutes. C'est indépendant de ma volonté, je suis désolée. C'est juste un paramètre de mes applications, de mon compte Facebook, que j'aurais dû régler avant, ma faute. Merci beaucoup pour votre présence et l'intérêt de tous les Sénégalais. La sauvegarde des acquis démocratiques de l'État de droit. Les Sénégalais qui ont perdu la vie dans des circonstances très difficiles. Chérif, à l'arrestation du principal opposant sénégalais, Sonko, du principal opposant Ousmane Sonko, et dans un contexte de ras-le-bol généralisé de la population sénégalaise, dont la moyenne d'âge est de 19 ans. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de nos Sénégalais. Je verrai si je peux revenir à l'intérieur du live. Si jamais ça coupe à l'affût, peut-être que je reviendrai. Les acteurs économiques radicaux, notamment le milieu des affaires, les citoyens du monde entier, des prix de justice, le chaos actuel qui règne dans notre pays d'origine, le Sénégal. Et dont le seul et unique responsable est le dictateur Macky Sall. Le dictateur Macky Sall est coutumier des faits. Il a un même modus operandi. Liquider des adversaires politiques. En commençant par Karim Wade, l'ancien fils du président Abdoulaye Wade,
de maire, l'ancien maire et député Khalifa Sall, et aujourd'hui Ousmane Sonko, arrivé troisième à la présidentielle et candidat ressenti ou l'un des principaux adversaires du régime de Macky Sall pour les élections de 2024. La population sénégalaise est obligée de faire valoir son droit constitutionnel face à la résistance à l'oppression. La population sénégalaise a été considérée et à juste titre comme une vitrine démocratique en Afrique. Et cette maturité a été saluée par tous les anciens, par tous les acteurs et les amis sénégalais. On a connu la présence du poète Lautre Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Et jamais on a vécu des émeutes qui ont été causées par, en fait, des nervis aussi, par une population, une jeunesse très motivée, très désemparée. Parce que cette jeunesse-là, il faut décrypter les messages de cette jeunesse. La jeunesse sénégalaise. Il ne faut pas seulement penser que les manifestations sont dues seulement à l'arrestation d'Ousmane Sonko. L'arrestation d'Ousmane Sonko est cependant l'élément déclencheur et a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il y avait un cocktail qui était déjà là, prêt à exploser. Parce que les gens vivent un sentiment d'injustice. Ils vivent également des conditions de vie très difficiles. Et le peuple du Sénégal est terminé. A toujours été un peuple double. Le peuple sénégalais est un peuple également qui est digne. Nous demandons au monde entier de joindre leur voix à celle du peuple sénégalais, de l'Organisation nationale des Nations Unies, des droits d'Amnesty International, de la CEDEAO également, pour dire non à la dictature, non à l'emprisonnement des leaders politiques, oui pour la démocratie, oui pour.